Revolutions, tyrants and wars. Révolution, tyrans et guerre. It takes money to run a revolution. Il faut avoir de l'argent pour organiser une révolution. It takes a lot of money to finance wars. Et il faut avoir beaucoup d'argent pour financer les guerres. And tyrants cannot exist unsupported. Et les tyrans ne peuvent pas exister sans soutien financier. Now, where does all this come from? Alors, quelle est l'origine de tout ça? Now, the Bible tells us, la Bible nous dit, that there is a power, and it identifies this power as Rome, qu'il y a un pouvoir, et elle identifie ce pouvoir comme Rome. That is also a woman, in that it is a church. Et ce pouvoir est aussi une femme, c'est-à-dire une église. And in Revelation 17, verse 3, et Apocalypse 17, 3, we read, I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast full of the names of blasphemy. Nous dit, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème. And it is described in the book of Revelation how the kings of the world and how the institutions of the world pay homage to this power. Et le livre de l'Apocalypse est décrit comme les rois de ce monde et les institutions de ce monde honorent ce pouvoir. And the Bible says that the dragon gives this power its seat and great authority. Et la Bible nous dit que le dragon donne à ce pouvoir son siège et sa grande autorité. And in Revelation 13, verse 4, we read, Apocalypse 13, verset 4, nous lisons, and they worshiped the dragon, et ils adorèrent le dragon, which gave power unto the beast, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. They worshiped the beast, et ils adorèrent la bête, saying, who is like unto the beast? En disant, qui est semblable à la bête? Who is able to make war with him? Et qui peut combattre contre elle? Now, that's a very strange text. Et voilà un texte très étonnant. Who is able to make war with him? Et qui peut combattre contre elle? This implies incredible power. Ça laisse entendre qu'elle possède un pouvoir incroyable. And yet the Church of Rome has no military organization to speak of. Et pourtant, l'Église de Rome n'a pas une organisation militaire à montrer. It has a well-trained Swiss guard to take care of the Pope. Elle a une garde suisse bien entraînée qui s'occupe du pape. But surely this cannot explain international power. Mais cette garde ne peut pas expliquer l'avoir un pouvoir international. And yet the Bible says that the dragon gives this power its authority. Et pourtant, la Bible dit que le dragon donne à ce pouvoir son autorité. And that it's impossible to make war against this power. Et que c'est impossible de combattre contre ce pouvoir. So there must be something behind the scenes which the eye cannot see. Alors il doit avoir quelque chose en coulisses, quelque chose qui n'est pas à la vue publique. This is the image of the kings of the world bowing down to the beast. Voilà donc l'image des rois de la terre qui se prosternent devant la bête. Human selfishness belies this. Et ce fait semble contredire l'égoïsme humain. Why would they bow down to it if they're not forced to bow down to it? Pourquoi se prosterneraient-ils devant ce pouvoir s'ils ne seraient pas forcés de le faire? So let's have a look whether we can go behind the scenes to see how it is done. Alors analysons et voyons si nous pouvons voir comment les choses se passent derrière les coulisses. It will require a reorientation of thought. Il faudra réorienter la pensée. And all the details are probably not in place. Et tous les détails ne seront pas encore évidents. But there is enough information that a picture starts crystallizing. Mais il y aura suffisamment d'informations pour établir une vue d'ensemble. In this quote we read, at what then do the Jesuits aim? Et dans cette citation, nous lisons « Quel est le but des jésuites ?» They seek the glory of the Pope, so they say, and of God. Ils nous disent qu'ils cherchent la gloire du pape et de Dieu. They have rendered themselves indispensable to the Pope. Ils se sont rendus indispensables au pape. Who without them couldn't exist. Qui sans eux ne pourrait pas exister. Catholicism is identified with the Jesuits. Le catholicisme est identifié avec les jésuites. And then these authors claim that they hold revolutions in their hands. Et ces auteurs affirment que les jésuites tiennent les révolutions dans ses mains. And under one form or another, it is they that control the world. Et sous une forme ou une autre, c'est eux qui contrôlent le monde. That's a bold statement. We'll have to see whether the facts fit the scenario.
Et c'est une citation audacieuse et nous devons voir si les faits correspondent à cette réalité qui nous est proposée. So let's have a look at the major conflicts on the planet over the last decades. Et alors analysons donc les conflits principaux sur la planète pendant les derniers siècles. If we look at the American and the French revolutions, si nous considérons les révolutions américaines et françaises, 1789 et 1776, the Spanish Revolution just after 1800 and the Polish Revolution, la révolution espagnole juste après le 1800 et la révolution polonaise, the Italian Revolution and the German Revolution, la révolution italienne, la révolution allemande, the Russian Revolution of 1917, la révolution russe de 1917, and then the World Wars 1 and 2, et après la Première et Deuxième Guerre mondiale. And we could add all the modern conflicts of Iraq and all of these nations as well. Et nous pourrions ajouter aussi les conflits modernes contre l'Irak et toutes ces nations aussi. And we ask ourselves the question, who is in control here and how is this being financed? Et nous nous posons la question, c'est qui contrôle tout ça et comment ça se finance? So let's go through history and just have a brief look at this time period and see how the lodges unfolded. Et alors analysons donc l'histoire et voyons en bref ce qui se passait pendant cette période et comme les loges se sont développées. 1717 is the foundation of the Masonic Grand Lodge of England. La date de la fondation de la grande loge maçonnique de l'Angleterre. Then they followed quickly. Then came France. Et après arrive la France et les loges se forment rapidement. And then Benjamin Franklin was initiated as a Freemason in 1731. Et Benjamin Franklin fut initié comme un franc-maçon en 1731. 1738, Rome bans Freemasonry. 1738, Rome prohibit la franc-maçonnerie. While virtually every cardinal is a member. Quand en même temps, pratiquement chaque cardinal était un membre. And we can go through history, we don't have to go through all the details. 1768, foundation of the right of the strict observance. Et nous voyons donc l'histoire et nous n'avons pas besoin de mentionner tous les détails, mais 1768, la fondation de le droit de stricte observance. And then also the title Illuminati is used for the first time. Et le titre Illuminati qui vient utilisé pour la première fois. Benjamin Franklin becomes the Grand Master in 1770. Benjamin Franklin devient le grand maître en 1770. 1776, the American Revolution. 1776, la révolution américaine. 1778, Peter the First founded the secret circle. 1778, Pierre le Premier, le tsar russe, fonde le cercle secret. 1785, it is claimed. 1785, ils affirment that the Masonic Congress plans the French Revolution. Que le Congrès maçonnique planifie la Révolution française. 1789, French Revolution. 1789, la Révolution française. 1784, overthrowing the attempt to overthrow the monarchies of Europe. 1784, la tentative de renverser les monarchies d'Europe. But behind all of these sit the Weishaupts, who are the Jesuits under their general. Mais derrière tous ces événements, il y a les Weishaupts et les Jésuites sous leur général. In 1816, John Adams wrote to President Jefferson. En 1816, John Adams écrit au président Jefferson des États-Unis. Regarding the Jesuits. En ce qui concerne les Jésuites, shall we not have regular swarms of them here? Ne verrons-nous pas des foules de Jésuites qui nous visitent régulièrement? In as many disguises as only the king of the gypsies can assume. Déguisés avec une telle variété comme seulement le roi des gitans peut se déguiser. Dressed as painters, publishers, writers, schoolmasters. Déguisés comme des peinteurs, des éditeurs, des écriteurs et des enseignants. If ever there was a body of men who merited eternal damnation on earth and in hell, it is the Society of Loyolas. Et si jamais il y eut une organisation de personnes qui méritent la damnation éternelle sur cette terre et dans l'enfer, c'est cette société de Loyola. These are historic facts. Voilà donc des faits historiques. Isn't it strange that virtually every nation in Europe at some stage banned the Jesuits? N'est-il pas bizarre que presque chaque nation en Europe à un moment donné dans l'histoire a interdit les Jésuites? Isn't it strange that every single one of those countries experienced violent revolutions? N'est-il pas bizarre que chacune de ces nations a passé par une révolution violente? Including Rome itself?
y inclut Rome aussi. And the Vatican. Et le Vatican. Isn't it strange that wherever they were expelled, they are more powerful today than ever before? N'est-il pas bizarre que dans tous les endroits où les jésuites furent expulsés, ils sont aujourd'hui plus puissants qu'avant? Many writers warned of this grand conspiracy of the Jesuits. Beaucoup d'écriteurs nous ont avertis de cette grande conspiration des jésuites. And you can quote quote after quote where they say it is through the agency of the army of the Jesuits that these things are financed. Et vous pouvez lire citation après citation que c'est à travers de l'agencie de l'armée des jésuites que ces choses sont financées. Even Abraham Lincoln warned of this issue. Et même Abraham Lincoln avait averti sur ce problème. And he said the Protestants of both the North and the South would surely unite to exterminate the priests and the Jesuits. Il avait dit que les protestants du Nord et du Sud des USA se réuniraient sûrement pour exterminer les prêtres et les jésuites. Who are nothing other than emissaries of the Pope. Qui ne sont rien d'autre que des émissaires du Pape. And of Napoleon. Et de Napoléon. And how they have infiltrated Ireland and Mexico and Spain and all of these issues. Et comme ils avaient infiltré l'Irlande et le Mexique et l'Espagne et toutes ces situations. They even go so far as to say that this war would never have been possible without the sinister influence of the Jesuits. Et dans la citation, ils disent même que cette guerre n'aurait pas été possible sans l'influence sinistre des jésuites. Ils se réfèrent à la guerre civile, à la guerre de sécession des États-Unis. This was written by the Roman Catholic priest who was the personal friend of Abraham Lincoln. Cette citation nous vient d'un prêtre catholique romain converti protestant et ami personnel d'Abraham Lincoln. So history is replete with all of these quotes. Et alors l'histoire est pleine de toutes ces citations. In a letter dated 22 January 1870, une lettre datée le 22 de janvier 1870, Mazzini wrote to Albert Pike of the United States. Mazzini écrit à Albert Pike des États-Unis. He was the founder of the Scottish Rite of Freemasonry. Albert Pike était le fondateur du rite écossais de la franc-maçonnerie. You must allow the federations to continue just as they are. Nous laisserons continuer toutes les fédérations comme elles sont maintenant. But we must create a super rite. Mais nous devons créer un super rite. Which will remain unknown. Qui restera inconnu working behind the scenes, et qui ouvrera en coulisses controlling the power without anyone knowing how it is done. En contrôlant le pouvoir sans que personne sache comment ça se fasse. They will be powerful because its direction will be unknown. Et ils seront puissants car leur direction sera inconnue. These are historic facts, not speculations or conspiracies. Et voilà donc des faits historiques et pas des spéculations ou conspirations. In a letter written to Mazzini, dated August 15, 1871. Et dans une lettre écrite à Mazzini, datée le 15 août 1871. Albert Pike dit. Outlined the plan for this world and the wars that were to be fought. Albert Pike donne une description du plan pour ce monde et les guerres qui se devaient combattre. Now this supposedly hung in the corridors or in the echelons of the British Museum. Alors supposément cette lettre était à la vue publique dans les corridors ou salles du musée britannique. And there are witnesses to this effect. Il y a des témoins qui ont vu cette lettre. One of them is William Guy Carr. Un des témoins, c'était le monsieur William Guy Carr, former intelligence officer in the Royal Canadian Navy, ancien agent de renseignement de la Marine royale canadienne. And these were known for the last decades and centuries. Et ces faits étaient connus pendant les dernières décades ou siècles. Now some claim that this is a forgery and it never happened. Et alors il y a des personnes qui affirment que c'est une falsification et que le document n'a jamais existé. But be that as it may. Mais quoi qu'il en soit. The proof of the pudding, isn't it in the eating? C'est d'ailleurs au fruit que l'on juge l'arbre. So what did he predict? Qu'est-ce qu'il a prévu donc? He predicted a first world war. Il a prévu une première guerre mondiale. To overthrow the power of the Tsar. Pour renverser le pouvoir des tsars and to bring about an atheistic communistic state. Et pour former un état communiste athée. Now, why would they want to do that? Et pourquoi voulaient-ils faire ça? Here was an orthodox state. La Russie était un état orthodoxe.
The Orthodox Church was at war with Rome. L'Église orthodoxe était en guerre avec Rome. And to level those playing fields, et il fallait donc créer une situation favorable à Rome. You enforced atheism. Et donc il impose l'athéisme. You suppress all the churches, il supprime toutes les églises, including even the Catholic Church, y compris même l'Église catholique. And then behind the scenes, you build up your power. Et après, en coulisses, ils reconstruisent la structure de pouvoir. And you break the Orthodox stronghold. Et ils détruisent la forteresse orthodoxe. Brilliant. Then the Second World War was to take place. Muy bien. Génial. Et après, la Deuxième Guerre mondiale se devrait faire. It was to originate between Great Britain and Germany. Elle devait originer entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. It was to strengthen communism as the antithesis to the Judeo-Christian culture. Elle devait raffermir le communisme comme l'antithèse contre la culture judéo-chrétienne. And it was supposed to bring about a Zionist state in Israel. Et cette guerre était supposée aussi de créer un État sioniste à Israël. Remember, the theology of the rise of literal Israel had already been written by the Jesuits. Mais rappelez-vous que la théologie qui décrivait la montée de l'Israël littéral avait été déjà écrite par les Jésuites. And then there should be a third conflict, a Middle Eastern conflict. Et après, il fallait qu'il ait un troisième conflit, un conflit au Moyen-Orient. Involving Judaism, Islam, and then spreading internationally. Qui inclurait le judaïsme et l'islam et qui se répandrait à niveau international. No, it's simple, not conjecture, just simple observation. Did this happen or didn't it happen? Et alors, en bref, ça s'est passé ou bien pas? It happened exactly like that. Ça s'est passé exactement comme ça. So then it must have been planned. Et alors, ça a dû être planifié. Here is another quote from another source saying exactly the same thing. Et voilà ici une autre citation d'une autre source qui dit exactement la même chose. Albert Pike planned these three world wars, it says over here. Albert Pike avait planifié ces trois guerres mondiales, ça nous dit ici. And he wanted to unleash the nihilist and the atheist. Car il voulait déchaîner le nihiliste et les athées. And he wanted to create a social conflict. Et il voulait créer un conflit social. And then, out of this atheism, et de cette situation d'athéisme, having destroyed all forms of true and false religion, ayant détruit toute forme de vraie ou fausse religion, he would bring forth the worship of youth, of Lucifer. Il introduirait l'adoration de Lucifer. It's a brilliant plan to set up the kingdom of Lucifer. C'est un plan génial pour installer le royaume de Lucifer. So they would create the chaos. Alors il créerait le chaos. To create the order. Et après il créerait l'ordre. That's why masonry has this saying, ordo ab chao, order out of chaos. C'est pour ça que la maçonnerie a cette expression ordo ab chao, c'est-à-dire de faire ressortir l'ordre du chaos. Now the French Revolution was run by the Jacobin clubs. Alors, la Révolution française fut dirigée par les clubs jacobins. Who's the father of Jacobinism? Adam Weishaupt. Et c'est qui le père du jacobinisme? C'est Adam Weishaupt. Who was he? He was a Jesuit. Et qui était-il? Un jésuite. So the French Revolution has the Jesuits behind it. Et alors, la Révolution française avait les jésuites à son origine. Starting with the storming of the Bastille. Et en commençant avec la prise de la Bastille. Liberty leading, liberty and freedom for all. La liberté en tête, la liberté et la libération pour tout le monde. And ending with the goddess of reason. Et en finissant avec la déesse de la raison. Now there's a very interesting theology behind the goddess of reason. Et il y a une théologie très intéressante derrière la déesse de la raison. And we'll do that in a later lecture. Et nous verrons ça dans une prochaine conférence. And then the monarchy had disappeared. Et après, la monarchie disparaît. And the king and the queen were beheaded. Et le roi et la reine furent guillotinés. So Louis the 16th. Et alors Louis le 16e was beheaded. Fut guillotiné. And here is the picture of his head being shown to the jubilant crowds. Et voilà ici la peinture de sa tête qui vient montrer à la foule en liesse. And then his bride Marie Antoinette was also beheaded. Et son épouse Marie Antoinette fut aussi guillotinée. And her head was displayed on a stick. Et sa tête fut aussi exposée sur un bâton. So the monarchies disappeared. Et alors les monarchies disparaissent. And we had the rule of the people, democracy. Et donc nous avons le gouvernement du peuple, la démocratie. And behind it all, the powers of the Jesuits.
Et derrière de tout ça, les pouvoirs des jésuites. Robespierre was the head of the Jacobin clubs. Robespierre était à la tête des clubs jacobins. So you had a mixture of violence and philosophy. Et il y avait donc un mélange de violence et de philosophie. Voltaire is probably the great atheistic, in inverted commas, philosopher of the French Revolution. Et Voltaire est probablement le grand philosophe athée de la Révolution française, athée entre guillemets. And what was he? Mais quelles étaient ses origines? He was a Jesuit. Il était un jésuite. Remember, they will take any role as long as it furthers the means to which they want to aspire. Rappelez-vous que les jésuites joueront n'importe quel rôle pourvu que ça leur fasse avancer vers les objectifs qu'ils veulent atteindre. Here's Jean-Jacques Rousseau. Et voilà Jean-Jacques Rousseau. Man is born free. L'homme est né libre. But everywhere he is in chains. Mais partout il se trouve en chaînes. So you work with the revolutionary process and you achieve eventually what you want. Et alors vous ouvrez avec le procès de révolution et vous obtenez éventuellement ce que vous voulez obtenir. And out of this new philosophy, et de cette nouvelle philosophie, was born the concept of human rights. Naît le concept des droits humains. But the human rights have a fasciae in the middle. Mais les droits humains ont une fascie au milieu. And that shows what system of government they really would wish to have. Et ça montre quel système de gouvernement ils désirent vraiment avoir. And they're in the form of two tablets, so they want to take the place of the Ten Commandments. Yes. Et ils ont la forme de deux tables de pierre, et donc ils veulent remplacer les 10 commandements. The all-seeing eye in the triangle, a Jesuit symbol, is above them. Et au-dessus, l'œil omniscient dans le triangle, un symbole jésuite. The serpent with the tail in the mouth, the life-giving serpent, is above them. Et le serpent à nom, le serpent qui donne la vie, est aussi au-dessus des droits. And the Jacobin hat is on the top of the spear. Et le bonnet jacobin se trouve au-dessus de la lance. This is the hat that the revolutionaries wore. Et voilà donc le chapeau que les révolutionnaires portaient. Here it is, also known as the Phrygian cap. Et le voilà ici, aussi connu comme le bonnet phrygien. Where does it come from? Mais quelle est son origine? You know, people will do anything. They will don any color, any cloak, any hat. Et savez-vous, les personnes portent n'importe quelle couleur ou vêtement ou chapeau. And they don't even inquire where does it come from. Et ils ne se posent même pas la question quelle est son origine. Well, let's go to the British Museum. Here's the god Mithra. Et voyons donc au musée britannique, voilà ici le dieu Mithre. And what has he got on his head? Et qu'est-ce qu'il a sur sa tête? Well, let's turn him on his side and you will see it is the very same hat as that of the French Revolution. Et voilà une vue de son côté, vous voyez que c'est exactement le même chapeau utilisé dans la Révolution française. This is the god of sun worship. C'est donc le dieu de l'adoration du soleil. His day Dies Solis, the holy day of the sun. C'est Dies Solis, le saint jour du soleil. So this is Jesuitism and the worship of the counterfeit Messiah. Lucifer. Et c'est donc le jésuitisme et l'adoration du faux messie Lucifer. All right, there had been original human rights by Cyrus the Great before. Et oui, avant la Révolution française, il y avait eu des droits humains originaux proclamés par Cyrus le Grand. But these were for real human freedoms, not to take the place of the Ten Commandments. Mais ces droits représentaient la vraie liberté et ils ne voulaient pas remplacer les 10 commandements. Now the Bible says that the beast, that's Catholicism, would receive a mortal wound. Alors la Bible nous dit que la bête, c'est-à-dire le catholicisme, recevrait une blessure mortelle. That happened in 1798. Et ça se passa en 1798. When Pius VI was dethroned by Napoleon. Et Pie le VI fut déchu par Napoléon. And he died in exile. Et il mourut exilié. And then in 1804. Et en 1804. Pius VII had to witness Napoleon crown himself emperor. Pie le septième dut être témoin de Napoléon qui se couronnait à soi-même empereur. 1808, Napoleon takes the Vatican States. 1808, Napoléon prend la cité du Vatican. The question is, who controlled Napoleon? Et la question est, qui contrôlait Napoléon? 1848, Mazzini attacks Rome and Pope Pius IX is exiled. 1848, Mazzini attaque Rome et le pape Pie IX est exilié. You see, Rome had dared to ban the Jesuits. Voyez-vous, Rome avait osé d'interdire les jésuites.
He was restored in 1850. Le pape fut restauré en 1850. But he had no papal states. Mais il n'avait pas des états papaux. These are the historic images of this great event. Et voilà les images historiques de ces grands événements. Here's an interesting quote from Emmanuel M. Josephson, American physician and historian. Et voilà une citation intéressante de Emmanuel Josephson, un docteur de famille américain et historien. And he says, Weishaupt and his fellow Jesuits cut off the income to the Vatican. Et il nous dit que Weishaupt et ses compagnons jésuites, ils bloquèrent les revenus au Vatican. By launching and leading the French Revolution. En déclenchant et dirigeant la Révolution française. And directing Napoleon's conquest of Catholic Europe. Et en dirigeant la conquête de Napoléon de l'Europe catholique. And the Pope was thrown into jail in Avignon. Et le pape fut mis en prison à Avignon. And the Jesuit war on the Vatican was terminated by the Congress of Vienna. Et la guerre jésuite contre le Vatican fut finie par le Congrès de Vienne. And by the secret 1822 Treaty of Verona. Et par le traité de Vérone secret de 1822. Don't you dare ban the Jesuits. On n'ose pas interdire les jésuites. Even if you are the Pope. Même si vous êtes le pape. And to this day, the Pope has to have a Jesuit confessor priest. Et jusqu'à nos jours, le pape doit avoir par confesseur un prêtre jésuite. And he had to sign a concordat never ever again to ban the Jesuits. Et le pape a dû signer un concordat de ne plus jamais interdire les jésuites. And from this day to this very day the black pope sits there right next to the seat of power. Et jusqu'à nos jours le pape noir reste à côté du siège de pouvoir. So he was formally restored the Jesuits with a papal bull. This was Pope Pius VII. Et alors Pape Pie le 7e rétablit formellement les Jésuites par une bulle papale. That was in 1814. Et ça se passa en 1814. And this is what they also wrote as an addition. If any should again attempt to abolish the Society of Jesus. Et ils écrirent comme addition que si quiconque tâcherait d'interdire la Société de Jésus. He would incur the indignation of Almighty God and the holy apostles Peter and Paul. Il recevrait l'indignation du Dieu Tout-Puissant et des saints apôtres Pierre et Paul. Now we have seen already that the Jesuits control the occult arm of the entire world conspiracy. Et nous avons vu donc que les Jésuites contrôlent les mouvements occultes de la totalité de la conspiration mondiale. Napoleon was the great benefactor giving back religious freedom. Et Napoléon était le grand bénéfacteur qui rétablissait la liberté religieuse. A brilliant strategy. Une stratégie géniale. Because before the papacy was seen as this oppressive power pushing only for one religion. Car avant la papauté était vue comme ce pouvoir répressif qui voulait seulement une religion. And now after this it could proceed and be the great benefactor to all religions. Pero después de esos acontecimientos. Mais après ce changement, elle pouvait être transformée comme la grande bienfaitrice de toutes les religions. Gathering all the children together. Qui réunissait tous les enfants du monde ensemble. So they used the revolutions and they used their masons like Napoleon. Et alors ils ont utilisé l'outil de la révolution et ils ont utilisé leurs maçons comme Napoléon. To achieve what they couldn't do openly. Pour obtenir ce qu'ils ne pouvaient pas obtenir de façon publique. His brother was a grand master. Le frère de Napoléon était un grand maître de la maçonnerie. Absolutely controlled by the Jesuits. Et alors ils étaient absolument contrôlés par les jésuites. If you take the Battle of Waterloo, si vous considérez la bataille de Waterloo, these were the various generals involved in those wars. Voilà les plusieurs généraux qui participaient à cette guerre. Michael Ney, Blücher, von Schnarrnost, Grouchy. Et voilà Michel Ney, Blücher, von Schnarrnost et Grouchy. Every single one of them was a mason. Chacun d'eux était un maçon. Please understand that the masons are a sworn brotherhood. Et alors, entendez bien que les maçons sont une fraternité faite sous serment. So these wars were created. Et alors, ces guerres furent créées. And if you take the kings and the queens and the kaisers of that time, here is Kaiser Wilhelm with his masonic apron. Et si vous considérez les reines et les rois et les empereurs de ces temps, voilà l'empereur Wilhelm avec son tablier maçonnique.
Well, Kaiser Friedrich III with his Masonic apron. Et voilà l'empereur Friedrich le troisième avec son tablier maçonnique. So all of them were dancing to the same tune. Et alors tous suivent les mêmes ordres. Well, let's go to the United States of America. Allons donc aux États-Unis d'Amérique. Here is this tremendous seat of American power. Et voilà ici le siège de l'incroyable pouvoir américain. The Capitol. Le Capitole. There is its cornerstone. Voilà sa pierre angulaire. And there's the Masonic symbol on the cornerstone. Et voilà le symbole maçonnique sur la pierre angulaire. Masonically laid. Et le texte dit clairement que c'est un fondement de façon maçonnique. Did you know that all the ground, all the property that the entire seat of government of the United States is seated on? Et savez-vous que tout le terrain, toute la propriété où se trouve le gouvernement des États-Unis belonged to the Jesuits? Appartenait aux Jésuites? So the Jesuits really are in control of the entire seat of government? Et alors les Jésuites en réalité contrôlent tout le siège du gouvernement. If you look at this tremendous building, et si vous considérez ce bâtiment incroyable, you will see that there are attributes which are like St. Peter's. Et vous verrez que son style, son architecture est comme la basilique de Saint-Pierre. And the whole of Washington is masonically laid out if you look at the street plan. Et toute la ville de Washington est disposée de façon maçonnique si vous considérez le plan des rues. So this is all planned well in advance. You don't get the Masonic compass and set square and the upside down pentagram into the street plan by chance. Et alors cette structure fut planifiée bien à l'avance. Vous ne pouvez pas créer par hasard dans le plan des rues le compas et l'équerre maçonnique ou le pentacle inversé. And then if you add all the numerology that is attached to this, well then it is way beyond chance. Et si vous considérez aussi toute la numérologie qui est aussi inclue dans le plan des rues, alors le plan des rues ne fut absolument pas conçu par hasard. Or the obelisk outside the White House. Et voilà l'obélisque à l'extérieur de la Maison Blanche. Facing in exactly the positions which are in conjunction with Rome. Qui est positionné exactement sur la ligne qui le connecte avec Rome. 555 feet high. Avec une hauteur de 555 pieds, 555. That's the number of man. C'est le nombre d'hommes. And the 555 is always subservient to the 666. Et le 555 est toujours soumis au 666. Well, even the Encyclopedia of Freemasonry says that this is a phallic symbol. Et même l'encyclopédie de la franc-maçonnerie nous dit que ce obélisque est un symbole phallique. So if you take the whole judicial system. Et alors si vous considérez tout le système judiciaire. The whole judicial system swore allegiance to the bar. Le système entier judiciaire prête serment au barreau. And they were called esquire. Et ils étaient appelés esquire en anglais, c'est-à-dire maître en français. So for example, Benjamin Franklin esquire. Par exemple, Benjamin Franklin esquire, maître. Now what is an esquire? Mais c'est quoi un esquire en anglais, un maître? It's a shield bearer. En anglais, c'est un porteur de bouclier. Or an armor bearer. Un porteur d'armure. For whom? Pour qui? For a knight. Pour un chevalier. Which knight? Mais quel chevalier? For the Knights Templars. Pour le chevalier templaire. And who are the heirs of the Knights Templars? Et qui sont les héritiers des chevaliers templaires? The Knights of Malta. C'est les chevaliers de Malte. Subject to? Et ils sont soumis à qui? The Jesuits. Aux Jésuites. Fascinating. Fascinant. That's why the building of power and the seat of power is a pentagram. Et c'est pour ça que le bâtiment qui représente le pouvoir et le siège de pouvoir est un pentacle. And the inside of a pentagram is a pentagon. Et dans le pentacle, il y a un pentagone. And if you look at the Statue of Liberty, et si vous considérez la Statue de la Liberté, you ask yourself, who's that? Et vous vous posez la question, qui représente-t-elle? Well, let's go to history and ask UNESCO to please explain it to us. Et alors lisons l'histoire et posons la question à l'UNESCO des Nations Unies de nous expliquer ça. This is the United Nations, their explanation, not mine. Et voilà donc les Nations Unies, c'est leur explication, c'est pas la mienne. They say it is Mitra. Et ils disent que c'est le dieu Mitre. So this is a statue of Mitra. Et donc c'est une statue de Mitre. And what she is holding in her hand over there, this light.
Ce qu'elle tient dans sa main, cette lumière, is another fasciae. C'est une autre fascia. The system of government of the Church of Rome. La forme de gouvernement de l'Église de Rome. In the land of the free. Dans le pays de la liberté. I suggest you go to modern day United States and see if that land is as free as it was before. Et je vous suggère de visiter les États-Unis de nos jours et de voir si ce pays montre encore la même liberté qu'il avait auparavant. It takes time to set up these wheels of power. Ça prend du temps pour construire ces structures de pouvoir. So the revolutions in France and the revolutions in the United States. Et donc les révolutions en France et les révolutions aux États-Unis. Both celebrated with symbols of mitraism. Elles furent célébrées avec les symboles du mitraïsme. The Jacobean hat and the Statue of Liberty. Le bonnet jacobin et la statue de la liberté. And let's look at the foundation stone of the Statue of Liberty. Et voyons donc la pierre angulaire de la statue de la liberté. And you will see the Masonic symbol on it. Et vous verrez donc le symbole maçonnique sur cette pierre. So this is not a conspiracy theory. Et alors, ce n'est pas donc une théorie de conspiration. These are mere historic facts. Et c'est juste des faits historiques. Towering above the shimmering but polluted waters, she holds in her outreached arm a hand, a torch of fire and light. La statue de la liberté dominante sur les eaux brillantes et polluées, elle tient dans son bras tendu et dans sa main la torche de feu et lumière. A gift of the Masonic order. Un cadeau de l'ordre maçonnique. So behind the scenes, the Jesuits have infiltrated all these organizations. Et alors en coulisses, les jésuites ont infiltré toutes ces organisations. So now let's just jump into the period after the reinstating of the papacy under total Jesuit control. Examinons maintenant la période après le rétablissement de la papauté sous le contrôle absolu des jésuites. 1854. 1854. Mary is declared immaculate. Marie vient déclarer immaculée. Now what has happened? Et alors qu'est-ce que s'est passé? Jesus, the perfect one, is no longer the mediator. Jésus, celui qui était parfait, il n'est plus le médiateur. He has been usurped by Mary. Marie a pris sa place. And any merit that he has is by virtue of her merit. Et les mérites que Jésus possède sont à cause des mérites de Marie. But what does the her mean? What does she really stand for? Mais qu'est-ce que veut dire les mérites de Marie? Qu'est-ce qu'il représente? She stands for salvation by works. Il représente le salut par les œuvres. Because by her merits she has undone what Eve did. Car par ses mérites, elle a réparé ce que Ève avait fait. And she was declared immaculate before Christ's birth. Et elle fut déclarée immaculée avant de la naissance de Jésus-Christ. So it wouldn't have required a blood sacrifice to get her to that state. Et alors, elle n'a pas besoin d'un sacrifice de sang pour être immaculée. And so in the same way, if we become this deified form, we don't need Christ. Et de même, si nous arrivons à avoir la même forme déifiée de Marie, nous n'avons pas besoin du Christ. So since that time, we've had the setting up of the kingdom of Lucifer. Et alors de ce temps-là, nous assistons à l'instauration du royaume de Lucifer. Any organization that pays homage to the organization that proclaims Mary Immaculate. Et toute organisation qui honore l'organisation qui proclame Marie Immaculée. Is acting knowingly contrary to the Bible. Agit délibérément au contraire de la Bible. And therefore has sworn allegiance to the kingdom of Lucifer and not to that of God. Et donne son allégeance au royaume de Lucifer et pas au royaume de Dieu. Then came the first Vatican Council. Et après arriva le premier concile œcuménique du Vatican. The dogma of papal infallibility. Et le dogme de l'infallibilité pontificale. And the papacy is elevated to the position of a god. Et la papauté est élevée à la position de Dieu. Then follows in 1917 the Russian Revolution. Et après suit en 1917 la révolution russe. Before that they create Fatima. Et avant ça ils créent Fatima. But Fatima is an interesting name because that was also the daughter of Muhammad.
Mais Fatima est un nom intéressant car c'était aussi la fille de Mahomet. So the idea must be to unite all the mega religions of the world. Et donc l'idée doit être de unir toutes les méga religions du monde. Subject first the Orthodox Church. Avant tout de soumettre l'Église orthodoxe. Russia will be consecrated, Russia. Mary supposedly said. La Russie sera consécrée, avait dit supposément Marie. So let's look at the parallels between the Russian Revolution and the French Revolution. Voyons donc les parallèles entre la Révolution russe et la Révolution française. Both of them were based on communist writings of Freemasons like Voltaire and Marx. Les deux étaient basés sur des écrits communistes comme des francs-maçons comme Voltaire et Marx. And the Jesuits had long practiced communism and their reductions in Paraguay. Et les Jésuites avaient pratiqué le communisme longtemps dans leur réduction, leur mission jésuite en Paraguay. Both of them got rid of the state churches. Et les deux révolutions suppriment les églises d'État. This is fascinating. If you go into the history, let's say of France. Alors ça c'est quelque chose de fascinant si vous considérez l'histoire disons de la France. Who was eliminated there? Qui fut éliminé là dans la révolution? The Dominicans. Les Dominicains. Brilliant. Une stratégie géniale. People say, but the Catholics also suffered. Mais les personnes disent, mais les catholiques ont aussi souffert. No, the Dominicans were punished because they took the powers of the Jesuits when the Jesuits were banned. Non, mais les Dominicains furent punis car ils avaient pris les pouvoirs des Jésuites quand les Jésuites avaient été supprimés. Win-win situation for the Jesuits. Une situation sans perte pour les Jésuites, donc. So they got rid of the state churches. Et alors, ils ont éliminé les églises d'État. Both of them ended the monarchies. Et les deux révolutions ont fini avec les monarchies. Both revolutions produced republics. Et les deux révolutions ont produit des républiques. But only in form. Mais seulement dans la forme. Absolutely suppressive in power. Dans les faits, ils étaient absolument répressifs avec son pouvoir. Both revolutions declared atheism as a state religion. Les deux révolutions déclarent l'athéisme comme la religion d'État. Both carried on a reign of terror with secret police. Et les deux ont organisé un règne de terreur avec de la police secrète. And both ended in military dictatorship. Et les deux aboutissent finalement à des dictatures militaires. The parallels are so amazing. Les parallèles sont si incroyables. And then you can start from scratch. You can build up your base of power. Et après, vous pouvez commencer à partir de rien et reconstruire votre structure de pouvoir. So here in the reductions, they practiced what they said they would implicate or start in Russia. Et alors ici, dans les réductions, dans les missions au Paraguay, ils ont pratiqué ce qu'ils allaient programmer ou commencer en Russie, les Jésuites. So Marx was one of the members of one of these Jacobin organizations. Marx était un des membres de ces organisations jacobines. And by 1928, et à l'année 1928, we're ready for a conflict of opposites. Ils sont prêts pour un conflit de forces opposées. Remember, we must have thesis, antithesis, so that we can create a synthesis. Rappelez-vous qu'il faut avoir une thèse et une antithèse pour créer après la synthèse. It's one thing overthrowing the orthodox regime. Et c'est une chose de renverser un régime orthodoxe. It's quite another to destroy Protestantism. Mais c'est un défi bien plus grand de détruire le protestantisme. So that when both are removed, they can get to their synthesis. Et quand ces ennemis seront éliminés, ils peuvent arriver à leur synthèse. So the papal nuncio in Germany moves the power of the party in Germany to the right. Et alors le nonce papal en Allemagne manœuvre le pouvoir du parti en Allemagne vers la droite politique. And Hitler's path is open to power. Et la porte s'ouvre pour Hitler pour accéder au pouvoir. By 1929, the Pope declares himself sovereign ruler of the world. 1929, le pape se déclare souverain absolu du monde. He already knew which way it was going to go. Il savait déjà comment les choses avanceraient. And they signed the concordats. Et ils ont signé les concordats. And the papacy gets back its papal states from Mussolini. Et la papauté reçoit les états papaux de Mussolini. And so the wound is healed. Et alors la blessure est guérie. Because the beast was dead. Car la bête était morte. And the beast refers to its political power. Yes. Et une bête symbolise un pouvoir politique. Without a state, it wasn't a political entity. Mais sans état, ce n'était pas un pouvoir politique. After 1929, it gets its power back.
Mais après l'année 1929, elle reçoit son pouvoir. And so the beast lives. Et la bête reçoit la vie. The Lateran Treaty is signed. Les accords du Latra furent signés. And he's the sovereign ruler of the world. Et il est le souverain absolu du monde. The Roman question tonight was a thing of the past, said the San Francisco Chronicle. La question romaine ce soir était une chose du passé, nous dit le journal Le San Francisco Chronicle. Healing the wound. En guérissant la blessure. Isn't it fascinating how history proves the Bible to be correct? N'est-ce pas fascinant comme l'histoire démontre que la Bible est correcte? I found this incredible. J'ai trouvé ça incroyable. Here in this church in Montreal. Ici dans cette église à Montréal. They have the church and the state. Ils ont l'église et l'État. And they have the people bowing down. Et ils ont les gens qui se prosternent. To a rider on a horse. Vers un cavalier sur un cheval. And who is he? Mais qui est-il? Mussolini. C'est Mussolini. What's he doing in the mosaics of a church? Mais qu'est-ce qu'il fait là dans les mosaïques d'une église? He's being honored. Il vient honoré. For giving the power back to the beast. Pour avoir redonné le pouvoir à la bête. 1934. Yugoslavia, the Ustashi is founded. Le mouvement des Ustashi est organisé. This is a Nazi organization. C'est une organisation nazie. They assassinate King Alexander of Yugoslavia. Ils assassinent le roi Alexandre de la Yougoslavie. 1941, Croatia declares itself independent, Catholic state. 1941, la Croatie se déclare indépendante, un État catholique. They slaughter the Orthodox. Et ils massacrent les orthodoxes. If ever there was a slaughter, that was one. Et s'il y a jamais eu un massacre horrible, c'est sûrement ceci. In the meantime, Pacelli. Et en même temps, Pacelli. Signs the concordat with Germany. Signe les concordats avec l'Allemagne. And he was later to become a pope. Et il deviendra pape. His family founded the Banco de Roma. Sa famille avait fondé le Banco di Roma. With Rothschild money. Avec des fonds de la famille Rothschild. Which is really Jesuit money. Qui sont en réalité des fonds jésuites. And so he becomes the pope. Et alors il devient le pape. They called him the German pope. Il l'appelle le pape allemand. And he's issued a stamp over here in Masonic form where he appears. Et il publie un timbre ici de forme maçonnique où il apparaît. His cell conclave number 13, which is Masonic. Le numéro de sa cellule de conclave était le 13, qui est maçonnique. Let's compare the Grand Master of the London Lodge. Et comparons le grand maître de la loge de Londres. With this image of the Pope. Avec cette image du pape. And you see they're making the same hand symbols? Vous voyez qu'ils font le même symbole avec leurs mains. They belong to the same organization. Et ils appartiennent à la même organisation. Albert Mackey, 33 degree Freemason. Albert Mackey, franc-maçon de 33 degrés. He says that the high priest of the Royal Arch officially wears the ephod. Il nous dit que le grand prêtre de l'arche royale porte officiellement l'éphod. And there's the ephod around the pope. Et voilà l'éphod sur le pape. So he is the high priest of not only Judaism but also of Christianity. Et alors il est le grand prêtre non seulement du judaïsme mais aussi du christianisme. This is behind the scenes, esoterically. Et ça se passe en coulisses, ésotériquement. And here he is visiting Secretary of State, he's visiting George Washington, the home of George Washington. Et voilà ici il visite le secrétaire d'État et il visite la maison de George Washington. And he meets the then president, President Roosevelt. Et il rencontre le président de ces temps, le président Roosevelt aux États-Unis. What side will he be on? Et quel parti prendra-t-il? Well, here's a photo of indiscretion. There he is in his Masonic regalia. Yeah. Et voilà une photo indiscrète. Le voilà avec les insignes maçonniques. And here he is wearing a Shriner hat. Et ici, il porte un chapeau de la maçonnerie Shriner. Which tells us he must be at least a 32 degree Freemason because you can't become a Shriner unless you are a 32 degree Freemason. Et ça nous dit qu'il doit être au moins un franc-maçon de 32 degrés car vous ne pouvez pas devenir un franc-maçon Shriner si vous n'êtes pas un franc-maçon de 32 degrés. Do you know that a Shriner swears allegiance not on the Bible but on the Quran? Et savez-vous qu'un franc-maçon Shriner fait serment d'allégeance non sur la Bible mais sur le Coran? Not because the Quran is holier than the Bible according to them. Et ce n'est pas parce qu'ils pensent que le Coran est plus saint que la Bible. But because the Quran denies the divinity of Christ and the atonement. Mais c'est à cause du fait que le Coran nie la divinité du Christ et l'expiation. These are interesting facts. C'est des faits intéressants.
Not conspiracies, facts. Non, ce n'est pas des conspirations, c'est des faits. So if we look at the Freemason political leaders in the United States, et alors si nous considérons les leaders politiques franc-maçonniques aux États-Unis, we can basically say that from the time of George Washington, every single president has been subject to the secret society. Et nous pouvons basiquement dire que des temps de George Washington, presque chaque président a été soumis aux sociétés secrètes. Bill Clinton, 33 degree Freemason. Bill Clinton, un franc-maçon de 33 degrés. Head of the Demolays. La tête des Demolays. President Barack Obama went to the Bilderberg meetings. Le président Barack Obama a visité les réunions secrètes des Bilderberger. And even the vice presidents like Al Gore. Et même les vice-présidents comme Al Gore. Are high leaders, starting with George Washington. All the way down to the present one. Ils sont des hauts membres et ça commence avec George Washington et jusqu'à nos jours. Here are all their positions. Et voilà leurs positions ici. We don't have to go into all of them. There are even a number of religious leaders that will make your hair stand on end. Et nous ne devons pas tout lire, mais il y a aussi des certains leaders religieux qui vont vous faire dresser les cheveux sur la tête. It's incredible, this long list. C'est incroyable cette liste longue. Which includes the kings and the queens of the world. Qui inclut les reines et les rois du monde. Which includes the political leaders, the highest of them in the world. Et elle inclut les leaders politiques les plus hauts dans le monde. And if you want to just verify with some of the documents, et si vous voulez vérifier avec quelques documents, here's Hoover. Voilà le président Hoover. And here President Dwight Eisenhower gives him the 33 degree Grand Cross. Et le président Dwight Eisenhower lui donne la grande croix maçonnique de 33 degrés. Their pictures hang in the 33 degree Masonic Center in Washington D.C. I saw them for myself. Et vous trouvez leurs photos dans le centre maçonnique de 33 degrés à Washington. Je l'ai vu moi-même. If you go into these lodges, you will find a presidential gallery with all the presidents and their Masonic connections. Et si vous visitez ces loges, vous trouverez donc la galerie présidentielle avec tous les présidents et avec les connexions maçonniques. And the financial system is run by the Federal Reserve. Et le système financier aux États-Unis est administré par la réserve fédérale. Which is a private organization. Qui est une organisation privée. And it's not run from the United States. Qui n'est pas administré par les États-Unis. Its power seat is in London. Et son siège de pouvoir est à Londres. And it is a Templar organization and it's Jesuit controlled. Et c'est une organisation templaire, elle est contrôlée par les jésuites. You know, there was a president once who dared to try to get rid of the Federal Reserve. Et savez-vous qu'il y avait un président qui avait osé de se débarrasser de la réserve fédérale? And that was President Kennedy. Et c'était le président Kennedy. And here's a fascinating picture of $2 notes. Et voilà une photo fascinante d'un billet d'un dollar. But before we get to the story of Kennedy, mais avant de parler sur l'histoire de Kennedy, I want to show you the Federal Reserve note. Je veux vous montrer le billet de la réserve fédérale. Hidden in this dollar note, there are so many Masonic symbols and occult symbols, it is unbelievable. Alors ici, caché dans ce billet d'un dollar, il y a tant de symboles maçonniques et de symboles occultes que c'est incroyable. And this massive one. Et ce grand numéro 1. And of course, there also stands out of many ones. Et naturellement, la phrase « un à partir de plusieurs » That's why the $1 note has never disappeared in the United States. Yes. Et c'est pour ça que le billet d'un dollar n'est jamais disparu aux États-Unis. Both these images are Masonic images. Et voilà, les images ici sont maçonniques. Says they are nuit captus novus ordo seclorum. Et ça nous dit ici en latin nouvel ordre mondial. And if you've complete the pentagram, you cut the letters here, which spell Asmon, which is a scrambling of Mason. Et si vous complétez le pentacle, vous unissez les lettres qui disent ici Asmon, qui est un mélange des lettres pour le mot maçon en anglais. And you can get all the symbols of masonry by manipulating the dollar note. Et vous pouvez créer en réalité tous les symboles de la maçonnerie en manipulant le billet d'un dollar. We don't have to go into all the details. Et nous ne devons pas rentrer dans tous les détails. But here I have enlarged the one of the $1 note. Mais ici j'ai agrandi le numéro 1 d'un billet de dollar. And there's this little dot there. Et voilà ce petit point que vous pouvez voir. If you enlarge it even more, you'll see it is the symbol of the little owl. Et si vous agrandissez ça encore plus, vous verrez que c'est le symbole du petit hibou.
And you will find this owl also on ancient coins such as these. Et vous trouverez le hibou aussi dans des monnaies anciennes comme celle-ci. And it was always the symbol of the pagan deity Moloch. Et c'était toujours le symbole de la déité païenne Moloch. So the Masonic pyramid. Et voilà la pyramide maçonnique. And the new age. Et le nouvel âge. Will be complete when this stone over here comes down and forms the capstone. Va se compléter quand cette pierre ici va descendre et former la touche finale. Many other symbols. Beaucoup de symboles. For example, just the ribbon. There's the end of the ribbon. Et voilà ici par exemple le ruban. Voilà la fin du ruban. Even that is Masonic. Et même ça c'est maçonnique. This comes from the Roman Catholic Cathedral in the south of Germany. Voilà un exemple d'une cathédrale catholique romaine au sud de l'Allemagne. And there you can see the same symbol. Et vous pouvez voir le même symbole. Well, we don't have to go into all the details. We don't have time for that. Mais nous n'avons pas du temps pour rentrer dans les détails. But these are high Masonic emblems. We could go into the 13s and the numbers and the feathers and count all of these things. Every single one has a Masonic meaning. Mais tous ces symboles, c'est des symboles de la haute maçonnerie et nous pourrions parler des 13 et des numéros, du plumage et toutes ces choses. So this mega power is also controlled by the Jesuits. Et alors ce pouvoir incroyable est aussi contrôlé par les Jésuites. Isn't that exactly what Abraham Lincoln feared would happen? N'est-ce pas exactement ce que Abraham Lincoln craignait que ça passerait? Revelation 13:11, and I saw another beast coming up out of the earth, and it had two horns like a lamb, and he spoke like a dragon. Apocalypse 13, 11, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. In our lecture on Revelation 13, dans notre conférence en Apocalypse 13, we saw that this is the emblem of the United States with its lamb-like principles of Protestantism. Nous avons vu que cette bête est le symbole des États-Unis avec ses principes d'agneau, du protestantisme, but it spoke like the dragon. Mais elle parle comme un dragon. And the dragon is who? Et c'est qui le dragon? The dragon is Rome and the power supporting Rome, Lucifer. Et le dragon est Rome et le pouvoir qui appuie Rome, Lucifer. It exercises all the authority of the first beast before him. Verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. And causes the earth and those dwelling in it. Et elle faisait que la terre et ses habitants to worship the first beast whose deadly wound was healed. Qui adorait la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. This Bible text says that this power, the United States. Ce texte biblique nous dit que ce pouvoir, les États-Unis, will force the world to pay homage to Rome. Forcerait le monde à honorer Rome. Is it doing so? Est-ce qu'ils font ça? Is one nation after the other coming into this subjection? Est-ce qu'ils sont en train de soumettre une nation après l'autre? We've already looked at the architectural similarities between the Capitol and Rome. Nous avons déjà considéré les similarités de l'architecture entre le Capitole et Rome. But the problem is Protestantism. Mais le problème était le protestantisme. The Russian Revolution took care of the Orthodox problem. La révolution russe s'était déjà occupée du problème orthodoxe. The current wars out there are taking care of the Islamic problem. Et les guerres présentes s'occupent du problème islamique. But one of the greatest problems of all is Protestantism. Mais un des plus grands problèmes, c'était le protestantisme. So let's get the thesis antithesis going. Et alors organisons cette thèse et cette antithèse. Three role players. Les trois acteurs. The so-called allies, qui étaient supposément alliés, against the then-time axis of evil, contre lo que era, contre les pouvoirs du mal, les puissances de l'axe de Satan. Haven't we heard similar words from George W. Bush? N'avons-nous pas écouté des mots pareils par George Bush? So here we have President Roosevelt. Et voilà donc le président Roosevelt, 33 degrees Freemason, un franc-maçon de 33 degrés. Here we have Churchill. Nous avons Churchill, 33 degrees Freemason, un franc-maçon de 33 degrés. Then we have Stalin. Nous avons Stalin, Grand Orient Lodge, so he must be a high Freemason.
membre de la loge du Grand Orient, il doit être aussi un haut franc-maçon. Now who put Stalin in power and kept him in power? Et c'est qui avait mis Staline au pouvoir? Here's an extract from a report by the ambassador Harriman in Moscow to the State Department. Et voilà ici un extrait d'un rapport de l'ambassadeur Harriman qui se trouvait à Moscou au ministère des Affaires étrangères des USA. Stalin paid tribute to the assistance rendered by the United States to the Soviet industry. Stalin a rendu hommage à l'assistance donnée par les États-Unis à l'industrie soviétique. About two-thirds of all the industrial enterprises in the United in the Soviet Union were built with the United States money. Et à peu près deux tiers de toutes les grandes entreprises industrielles de la Union soviétique furent construites avec de l'argent des fonds des États-Unis. So they financed the next superpower. Alors ils ont financé la prochaine superpuissance. Well, here is Churchill in his druid outfit. Et voilà Churchill avec ses vêtements druides. With his order of the druids. Avec son ordre des druides. He's a sun worshippers. Et ils sont des adorateurs du soleil. They don't acknowledge Jesus Christ. Et ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ. They gather at Stonehenge and worship the sun, the druids. Ils se réunissent à Stonehenge et ils adorent le soleil. And all the mega rock stars there are druids. Et les super vedettes du rock qui se trouvent là sont des druides aussi. So now we need a little conflict. Et alors maintenant, il faut avoir un petit peu de conflit. Pearl Harbor. Pearl Harbor. It caught the Americans by surprise, or did it? Et avait surpris les Américains, mais est-ce vrai? Secrecy was to be maintained for 50 years, according to the law. Selon la loi américaine, il fallait maintenir le secret pendant 50 ans. But recently, they admitted that they knew ahead of time what was going to happen. Mais récemment, ils ont admis qu'ils savaient à l'avance ce qui se passerait. You see, they needed an incident to give America permission to enter the war. Voyez-vous, ils avaient besoin d'un événement, d'un accident pour donner à l'Amérique l'excuse d'entrer dans la guerre. So they created it. Et alors ils l'ont créé. Hitler, let's look at his side. Et voilà Hitler, et voyons son côté. Hitler said, I learned much from the order of the Jesuits. Hitler a dit, j'ai appris beaucoup de l'ordre des Jésuites. I introduced their structure into my party. J'ai introduit leur structure dans mon parti. The SS was constituted on Jesuit. Les SS, l'organisation de police allemande, était constituée sur des principes jésuites. Goebbels was a trained Jesuit. Goebbels était un jésuite formé. Himmler was associated with the Jesuits. Et Himmler était associé avec les jésuites. So if you call them Freemasons or whether you call them Jesuits, what's the difference? Et alors si vous les appelez francs-maçons ou si vous les appelez jésuites, il n'y a pas de différence. So all of these fine gentlemen were Jesuits. Et voilà toutes ces personnes distinguées, ils étaient jésuites. And Adolf Hitler was known as, well, the Pope was known as Hitler's Pope. Et le pape était connu comme le pape de Hitler. And he's going to be declared a saint. Et il va être déclaré un saint. Here is Hitler in front of Hindenburg. Et voilà Hitler devant Hindenburg. Please notice all the regalia are really Masonic and Knights of Malta regalia. Et voilà les insignes. Les insignes qu'ils ont, c'est des insignes maçonniques et des chevaliers de Malte. Hitler starting the youth organization. Hitler qui commence les organisations pour les jeunes. And he worked with the Catholic Church, Franz von Papen. Et il travaillait avec l'Église catholique, avec Franz von Papen. He was the leader of the Catholic Party and he moved it to the right. Qui était le leader du Parti catholique dont il avait transféré l'idéologie à droite. What is this symbol that he's wearing? Et quel est le symbole qu'il porte? It's the symbol of sun worship. C'est le symbole de l'adoration du soleil. And he wears the same Maltese regalia. Et les mêmes insignes maltaises. And he has the eagle as his symbol, symbol of Lucifer. Et voilà l'aigle comme son symbole, c'est le symbole de Lucifer. And he has himself inaugurated where and how? Et il se fait investir de ses fonctions où et comment? Was in Nuremberg, and what was his backdrop? Dans la ville de Nuremberg, et quelle était sa toile de fond? The Zeus altar. C'était l'autel de Zeus. Pergamos. De Pergame. And what does the Bible say about Pergamos? Et que nous dit la Bible sur Pergame? Where Satan has his seat. La ville où Satan avait son siège. En Apocalypse. So were Stalin and Hitler really at loggerheads, yes or no? Étaient donc Staline et Hitler opposés, oui ou non?
Is fascism contrary to the Jesuits? Yes or no? Est-ce que le fascisme est contraire aux jésuites? Oui ou non? Yeah, they are seen to working together with the Catholic Church. Qu'ils travaillent avec l'Église catholique. Here are the Catholic priests making the Heil Hitler salute. Et voilà ici des prêtres catholiques qui donnent le salut avec le Heil Hitler. And after eliminating the true Protestants, he eventually got even the Protestants to give the salute. Et après avoir éliminé les vrais protestants, finalement, il a convaincu aussi les protestants à donner le salut de la même façon. And the Pope and the Führer work together. Et le pape et le Führer travaillent ensemble. Here you can see church and state very, very comfortable with each other. Et ici, vous pouvez voir l'Église et l'État qui travaillent très bien ensemble. And nobody knows that the symbol they're wearing is the symbol of sun worship, the symbol of Lucifer, the symbol of Mitra. Et personne ne sait que le symbole qu'ils portent, c'est le symbole de l'adoration du soleil, le symbole de Lucifer et le symbole du dieu Mitra. Adolf Hitler was very fascinated with theosophy. Adolf Hitler était très fasciné par la théosophie. There is the symbol of theosophy. Et voilà le symbole de la théosophie. And whether it is this way round or that way round. Et ou si le voyait dans ce sens ou dans le sens opposé. Neither here nor there, because the one is just male and the other one is female. Ça ne change rien car c'est la forme masculine ou féminine de la déité. That same symbol you will find under the toe of the Buddha. Vous trouverez le même symbole sous les orteils du Bouddha. It's an ancient symbol of sun worship. C'est un symbole ancien de l'adoration du soleil. And history tells us that it was the Jesuit priest Father Stempfler who wrote Mein Kampf. Et l'histoire nous dit que c'était le prêtre jésuite, le père Stempfler, qui écrit le livre Mein Kampf, mon combat. On behalf of Adolf Hitler. Pour Adolf Hitler. Here is the SS symbol. Voilà le symbole des SS. Again, you will see the skull and bones symbol. Et vous verrez donc le symbole des crânes et les os. So it was organized under Jesuit principle. It was Illuminati principle. Et ça fut organisé sous des principes jésuites. C'était des principes Illuminati. And fascism is the regime which corresponds closely to the concepts of Rome, says the Jesuit main mouthpiece. Et le fascisme est le régime qui correspond de la façon la plus proche au Conseil de Rome, nous dit ici le journal officiel jésuite. So the allies, alors les alliés Jesuit control, étaient contrôlés par les jésuites. And Germany and its allies, Jesuit control. Et l'Allemagne et ses alliés aussi étaient contrôlés par les jésuites. Now we will create conflict. Et alors ils vont créer du conflit. The symbol of the fasciae. Le symbole des fasciens. You find it in the United States. Vous le trouvez aux États-Unis. There is the fascia on a United States campaign poster. Et voilà donc la fascia sur une affiche pour une campagne électorale aux États-Unis. There's the top of the Capitol. Everything is fascia. Et voilà le sommet du Capitole, c'est tout des fascia. Here is the House Representatives building and there are the fascia. Et voilà la salle de la Chambre des députés, et voilà les fascia encore une fois. Find the fascia in ancient Rome and you find it in the United States and you find it in Germany. Et vous trouvez les fascia dans l'ancienne Rome, vous les trouvez aux États-Unis et vous les trouvez en Allemagne aussi. All the regalia, even as we have said before, the Statue of Liberty, fascia. Et tous ces insignes, comme nous vous avons dit auparavant, c'est la Statue de la Liberté, c'est des fascia. And Anthony Sutton said that the secret society Skull and Bones is Illuminati. Et Anthony Sutton, l'auteur, avait dit que les sociétés secrètes, le crâne et les os, c'est des Illuminati. And remember, we've discussed it before, but he operates on the Hegelian principle. Et nous avons discuté ça auparavant, qu'il travaille avec les principes de Hegel, le philosophe. Conflict to bring about a new world order. Utiliser le conflit pour porter une nouvelle ordre mondiale. The Hegelian philosophy of conflict, political right, political left, doesn't really exist. It's an artificial structure. Dans la philosophie de Hegel sur le conflit, la droite politique ou la gauche politique n'existe vraiment pas, c'est une structure artificielle. Let's just read what Woodrow Wilson, the president, then-time president of the United States, said. Et lisons donc ce que Woodrow Wilson, l'ancien président des États-Unis, a dit. He said some of the biggest men in the US in the fields of commerce and manufacturing. Quelques-unes des personnes les plus importantes aux USA dans les domaines du commerce et de la production industrielle. Know that there is a power so organized, so subtle, so complete. Ils savent qu'il y a un pouvoir tellement organisé, tellement subtil et tellement complet.
So pervasive that they had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it. Tellement omniprésent que c'est mieux qu'ils parlent en chuchotant quand ils veulent condamner ce pouvoir. This is not a theory, these are historic facts. Alors ce n'est pas une théorie, c'est des faits historiques. So we need a clash of opposites. Mais alors il fallait avoir un affrontement d'opposés. We can read these quotes by ourselves. Et vous pouvez lire ces citations par vous-même. And war is the most effective preacher of the humanity of all merely finite interests. Et la guerre est le prêcheur le plus efficace pour la vanité des intérêts humains limités. And it puts an end to all claims of private property and selfishness. Et elle finit avec toute revendication sur la propriété privée et sur l'égoïsme. Now that's fascinating. Alors c'est quelque chose de fascinant. That will require a lecture all by itself. Et il faudra toute une conférence pour expliquer ça. Who claims the right to property all for himself? C'est qui revendique le droit sur la propriété exclusivement pour soi-même? Legally. De façon légale. The papacy. La papauté. And we will see how they implement this. Et nous verrons bien comment ils implémentent ça. So the order in the United States, the group in England, all of these are controlled by the Jesuits. Et alors ces ordres, l'ordre aux États-Unis, le groupe en Angleterre, ils sont tous contrôlés par les jésuites. And quite rightly, Sutton says, et l'auteur Sutton très justement dit that nowhere in the history books do you read where does the money come from to finance a revolution. Qu'en nulle part dans les livres de l'histoire vous lisez d'où est-ce que l'argent arrive pour financer les révolutions. I can't just start a revolution, I need military hardware. Where does that come from? Vous ne pouvez pas commencer une révolution, vous avez besoin de l'équipement militaire, d'où est-ce qu'il arrive? So you need operational vehicles for conflict creation. Et alors il faut avoir les outils pour la création du conflit. One statement after the other. Une citation après l'autre. So when you look at the order, which is the Illuminati. Alors quand vous considérez la société, le ordre qui est des Illuminati. Then you will see all the great financial institutions that were behind it. Vous verrez toutes ces grandes institutions financières qui se tenaient derrière ces conflits. And how both sides of the conflict were financed by the same bankers. Et comme les deux côtés du conflit étaient financés par les mêmes banquiers. Isn't this incredible? Ce n'est pas incroyable? 1948, the atomic race begins. 1948, la course aux armements nucléaires commence. 1950, they send the statue of Mary to Moscow. 1950, ils envoient la statue de Marie à Moscou. What's the message? Quel est le message? The message must win. Here we come. Le message doit être et voilà, nous arrivons. Sir Francis Matthew, Catholic Secretary of the Navy, calls for a nuclear war with Russia. Monsieur Francis Matthew, le secrétaire catholique de la Marine, donne un appel pour une guerre nucléaire avec la Russie. Of course, they don't want that. They just want to create the hype. Mais naturellement, ils ne veulent pas ça, mais ils veulent juste faire du battage. The Soviet documents, nearly 5,000, were priests, teachers, nuns, etc. Who were the victims of this tremendous revolution then? Et dans les documents soviétiques, nous avons à peu près 5000 prêtres, enseignants et bonnes sœurs qui furent des victimes de cette révolution horrible. But then came the Lutherans, the Reformed, the Baptists, the Methodists. Everybody was persecuted. Okay. Mais après, c'est aussi les luthériens, et les réformés, les baptistes, et les méthodistes, et toute personne furent persécutée. The United States worked closely with the church, with Cardinal Spellman, who's the head of the Knights of Malta, by the way. Et les États-Unis collaboraient de façon très étroite avec l'Église, avec Cardinal Spellman, qui était la tête des chevaliers de Malte. Interesting story, just a little interpolation. Une histoire intéressante, juste un petit détail. What about Kennedy? Qu'est-ce qu'il y a de Kennedy? Here he is with his wife. Et le voilà avec sa femme. After his assassination, Lyndon Johnson was sworn in. Et après son assassinat, c'est Lyndon Johnson qui prête serment. But it was a Roman Catholic missal that he swore on afterwards and not a Bible. Mais il prêta serment sur un missel catholique romain et pas sur une Bible. Just for interest's sake. C'est juste un détail intéressant. Here is his assassination. Et voilà son assassinat de Kennedy. And the question is, who assassinated him and why? Et la question est, qui l'a assassiné, pourquoi? Well, November 22, 1963, Fitzgerald Kennedy, 35th president, visited Dallas. Et alors le novembre, 22 novembre 1963, Kennedy, le
35e président de visite Dallas. And here's the building from which he was supposedly shot. Et voilà le bâtiment duquel on avait supposément tiré sur lui. And there is the plaque which says he was allegedly shot by Harvey Oswald. Et voilà la plaque qui dit qu'il fut supposément tué par Harvey Oswald. Interesting that somebody underlined the allegedly. Et c'est intéressant qu'une personne a souligné le mot supposément. And this is the street where it happened. Et voilà la rue où ça s'est passé. And it's fascinating that there were so many eyewitnesses who claimed that the shots didn't come only from there but came from here, from the grassy knoll, from the front. Et c'est fascinant qu'il y eut beaucoup de témoins oculaires qui affirmaient que les tirs n'arrivaient pas de derrière seulement, mais aussi du petit monticule vert sur le front. From the picket fence, which is still here. De la palissade que vous pouvez encore voir là. So from the picket fence, you can see the spot where he was assassinated, right there in front of you. Et de cette palissade, vous pouvez voir l'endroit où il fut assassiné, exactement ici devant vous. There it is in the middle of the road. Et le voilà ici au milieu de la rue. And when he was shot, the witnesses ran towards the grassy knoll. Et quand on tira sur lui, les témoins ont couru vers le petit monticule herbeux. Not to that building so far away. Et pas vers le bâtiment qui restait loin, arrière. And what did those witnesses see? Et mais qu'est-ce qu'ont vu ces témoins oculaires? And why did most of those witnesses die unnatural deaths? Et pourquoi la majorité des témoins oculaires sont morts d'une mort anormale? And those that didn't were ridiculed beyond compare. Et ceux qui ne sont pas morts de cette façon, ils furent ridiculisés de façon incomparable. Well, let's have a look at the video of his assassination. Regardons donc le reportage filmé sur son assassinat. Let's go back to that day in Dallas. The day was November 22nd, the time shortly before noon. At first, the crowds were thick. But as the motorcade approached Dealey Plaza, it was here that the motorcade violated the Secret Service's own rules. As the car turned, it slowed from 40 miles an hour to 7. It was precisely then that gunshots blasted out. For 6 seconds, the occupants of Kennedy's car were struck by bullets. Kennedy grasped for his throat. Kennedy's head exploded, driven with great force backwards and to the left. Then and only then, did the president's car accelerate and speed off. Lyndon Johnson, the new president, ordered a federal commission to investigate the crime. The Warren Commission had given us the official version. Lee Harvey Oswald had acted alone. But if all three shots had come from behind, then why did the president's head fly backwards? Why did so many people, including policemen, run not towards the book depository where Oswald was, but towards the picket fence? If the Warren Commission was right, why did so many witnesses claim to see something completely different from the official report? As many as 177 people died simply for knowing too much. The moment Kennedy was killed, a massive cover-up went into operation. Witnesses were threatened, and many were killed. Neil Hill interviewed immediately afterwards. Shots rang out, and he grabbed his chest. There was an interval, and then three or four more shots rang out. By that time, the motorcade sped away. With us now is Gene Hill. He is closer to the president's car than anyone else at the time of the shooting. Ms. Hill is a Dallas grade school teacher and has feared for her life for the last 29 years. I understand that two men claiming to be Secret Service agents interrogated you after the assassination. What were you asked? They asked me what I had seen. I told them that I'd seen the president hit, that I saw a shooter from the knoll, and that I'd heard 4 to 6 shots. But they told me I didn't hear but 3 shots. Were you ever interviewed by the Warren Commission? Oh, yes. I was interviewed by Arlen Specter, who, he tried very hard to discredit everything I said. He accused me of all kinds of things, from like a shabby marital affair to seeking publicity to just downright lying. We found the real facts, and certainly no one in the intervening 25 years has disproved our basic conclusions. It was Specter who came up with the so-called magic bullet theory, which tracks one bullet going through both Kennedy and Texas Governor John Connally. The bullet was later discovered virtually intact on Connally's hospital stretcher. The truth, had it been known, had it come out, would have revealed
there was a conspiracy. Conspiracy to kill the president needed a scapegoat, a patsy, someone who would take the blame. There were many things you weren't supposed to see, like the paraffin test given to Oswald. It proved conclusively that Oswald had not fired a rifle that day, or the spy camera found in Oswald's possessions, issued to him by the U.S. government, or Oswald's letter to a Mr. Hunt requesting his next assignment. The only Hunt we know of in this case is Howard Hunt of the CIA, who shared the same office with Oswald in New Orleans. The office belonged to Guy Bannister, formerly with the FBI. Not only was this address on Oswald's supposedly pro-Castro leaflets, but the account Oswald used to print the leaflets belonged to the CIA. Howard Hunt with the CIA, Guy Bannister with the FBI, and Lee Harvey Oswald, all in the same office. Kennedy's motorcade was arranged to make two turns, taking him directly into a triangulation. The first shot came from the picket fence. It hit Kennedy in the throat. The second shot came from the Dal text building next to the book depository. It entered Kennedy's back. The third shot came from the southwest corner of the book depository, seventh floor. It hit Conley. The fourth shot came from the Dal text. It narrowly missed, hit the curb, wounding a bystander. The fifth and sixth shots were fired almost simultaneously from the depository and from the picket fence. Both hit Kennedy in the head, one from above, moving him forward. Then, an instant later, one from the front, tossing him back. Here you see the passenger in the front turning back, looking at the president. Instead of jumping back to assist him, he turns forward. The driver's now rotating. The weapon comes into view and he fires. You'll see this repeatedly in these sequences. Kennedy's been shot in the throat. He's leaning to his left. The driver now begins to rotate. His left arm comes over his right shoulder and he fires now. Again, you see the driver rotate. You see the weapon come into view. He's rotating again. The weapon is in view. He fires. You can clearly see his head turning and his arm and the weapon extending into view over his right shoulder. One of the first activities of William Greer after the presidential limousine arrived at Parkland Hospital was to attain a bucket and a sponge and water and begin to wash the blood and brains off of the presidential limousine. There's a new theory about the assassination of John F. Kennedy. A government scientist says police audio tapes provide new evidence of a second gunman. If it could be proved that the sound on the tape was a gunshot and that, in fact, it came from the grassy knoll, then it would provide some evidence that there was a second gunman in addition to Lee Harvey Oswald. But so far, few who agree with the conclusion made by Thomas. Hello? Yes, Rick. Go ahead, please. Yes, I'd like to know why it's taken so long for this information and the truth to be exposed. First place, it hasn't been exposed yet, and I don't think it ever will be. Secrecy in government is designed for one purpose and one purpose only, not to keep the enemy or the opposition from knowing what's going on, but to keep the American people from knowing what is going on. And all the evidence that exists or might have existed that would implicate the government in Kennedy's assassination, you can be sure that evidence is now destroyed. So even if everything is released now, the chances of solving the Kennedy assassination and attaching the blame to the guilty parties is almost impossible. Kennedy was changing the status quo. He decided he could no longer trust the CIA. He was transferring covert operations directly to the Joint Chiefs of Staff. Shortly after that, he fired Alan Dulles, who had been the director of Central Intelligence since 1953. Kennedy continued to make enemies as he pulled back from world confrontation. He ordered U.S. troops out of Vietnam. Well, isn't that interesting? N'est-ce pas ça intéressant? I don't think I have to add very much more to that. Je ne pense pas que je dois commenter sur ce qu'on a vu. We'll just read from the Vatican Assassins. Lisons du livre titré en anglais Les Assassins du Vatican. After the failure of the Bay of Pigs. Après l'échec du débarquement de la Baie des Cochons en Cuba.
Kennedy changed. Kennedy change. He vowed to break the CIA in pieces. Il promet de démanteler la CIA. He called for a return of an American currency and not a Federal Reserve currency. Il annonce un retour à la monnaie américaine et l'élimination de la monnaie gérée par la Réserve fédérale. And here we have this fascinating story. Et voilà ici cette histoire fascinante. Here is the Federal Reserve banknote. Et voilà le billet de la Réserve fédérale. But Kennedy had another one printed, the United States of America. Mais Kennedy avait fait imprimer un billet différent des États-Unis d'Amérique, vous le voyez là. And he printed these notes. Et il fit imprimer ces billets to destroy the Federal Reserve. Pour détruire la Réserve fédérale. And you don't touch the Jesuit money. Mais il n'était pas censé de toucher les fonds des jésuites. Of course, he didn't have any gold to back this money with. Et naturellement, il n'avait pas de l'or pour garantir sa monnaie. Because that gold was somewhere else in London. Car cet or était ailleurs, à Londres. So he backed it with silver. Et alors, il garantit avec l'argent. And then Kennedy said, et Kennedy dit that he stands for the separation of church and state. Qu'il appuyait la séparation de l'Église et de l'État. And that no prelate and no pope would dictate to the United States which way it should go. Et qu'aucun prélat et aucun pape imposerait aux États-Unis une voie spécifique. Two decisions. Deux décisions. The man must have had a conscience. Il doit avoir eu une conscience. But those two decisions cost him his life. Mais ces deux décisions, ils lui ont coûté sa vie. You don't undermine papal power. Vous ne détruisez pas, minez pas le pouvoir papal. And you don't undermine their financial power. Et vous ne détruisez pas leur pouvoir financier. You will not be able to stand who is able to make war against him. Vous ne pourrez pas les vaincre. Qui peut combattre contre ce système dit Apocalypse? So all of these mega wars that we've seen in the world. Et alors toutes ces super guerres que nous avons vues dans le monde. All the tyrants. Toutes ces tyrans. Like the Adolf Hitlers and the Ceausescus. Comme Adolf Hitler ou bien Ceausescu. They were all kept in power by the very ones who needed them for a particular purpose. Ils étaient tous placés au pouvoir par ceux qui les utilisaient pour un objectif spécifique. What happened to Germany after the Second World War? Qu'arriva à l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale? The whole of Eastern Germany was cut out and given to the Russians. L'Est de l'Allemagne fut séparé et donné aux Russes. That was the seat of Protestantism. Et cette région était le siège du protestantisme. The whole of Northern Germany, which was Protestant, et le nord de l'Allemagne, qui était aussi protestant, was bombed to smithereens. Fut bombardé jusqu'à le faire poussière. And the entire East German Lutheran echelon was converted to atheism. Et toute la région de l'Est Allemagne, la région luthérienne, fut convertie à l'athéisme. And after all of that conflict, time for the final union. Et après tout ce conflit, le temps est arrivé pour l'union finale. Orthodoxism destroyed. L'orthodoxisme fut détruit. Protestantism virtually wiped out in the Counter-Reformation. Et le protestantisme avait été pratiquement éliminé avec la contre-réforme. And final synthesis. Et voilà la synthèse finale. Ignatius Loyola. Ignatius Loyola nous dit. Said finally, let all with such artfulness gain the ascendant over princes, noblemen, and the magistrates of every place. Finalement, gagner l'influence sur les princes, les nobles et les magistrats partout avec une telle astuce. That they may be ready at our beck even to sacrifice their nearest relations and most intimate friends when we say it is for our interest and advantage. Qu'ils seront prêts à suivre nos ordres, même à sacrifier leurs relations les plus proches et leurs amis les plus intimes, quand nous dirons que c'est pour notre intérêt et avantage de le faire. Not a conspiracy, these are facts. Ce n'est pas une conspiration, c'est des faits. One of Nixon's main speechwriters during the 3 years was a Jesuit priest. Un des écriteurs, des rédacteurs de discours de Nixon, du président, pendant 3 années complètes, était un prêtre jésuite. And the same echelon of power is writing the speeches of the United States this very day. Et c'est le même échelon de pouvoir qui écrit les discours des États-Unis jusqu'à nos jours. They've all been roped into the fraternity. Ils sont tous impliqués dans la fraternité. Secrète. In this Masonic lodge hangs the picture of Gerald Ford, signed 33 degree Freemason.
dans cette loge maçonnique, il y a la photo de Gerald Ford signée franc-maçon de 33 degrés. They were all Freemasons. Ils étaient tous des francs-maçons. Whether they come from China, whether they come from the United States, it makes no difference. The same power controls the chaos. Soit qu'ils arrivent de la Chine ou soit qu'ils arrivent des États-Unis, ça ne fait pas différence. Le même pouvoir contrôle le chaos. And now it was time for the final enthronement of the beast power. Et alors le temps était arrivé pour le couronnement final du pouvoir de la bête. Protestant, United States grabs across the divide and takes the hand of Rome. Les États-Unis protestants étendent la main sur la fossée qui les sépare et donnent la main à Rome. So Reagan and the Pope make a concordat. Et alors Reagan et le Pape signent un concordat. And here you have the consulate general to the Vatican. Et voilà ici le consulaire général au Vatican. And then they have their first state visit. Et après leur première visite officielle. And President Reagan says to the Pope, as you exhort us, we will listen. Et le président Reagan dit au pape, nous écoutons bien vos exhortations. And now all the religions are happy to meet you. Et maintenant toutes les religions sont contentes de vous rencontrer. Who is able to make war with them? Et qui peut combattre contre ce pouvoir, dit la Bible. This is an interesting Masonic picture. Et voilà une photo maçonnique très intéressante. This handshake speaks a thousand words. Et cette poignée de main vaut plus qu'un long discours. The decisions as to when and how the meetings would take place. Les décisions sur quand et comment les réunions seront convoquées. Were founded on occult principles. Se font avec des principes occultes. Let's watch the video. Voyons donc la vidéo. And then in September, Gorbachev proposed a pre-summit meeting in Reykjavik, Iceland. Washington agreed. The astrologer fixed the time and the date of departure. And at 9:45 on October the 9th, Reagan flew to Reykjavik. For instance, if you have very bad Saturn, you should cultivate Jupiter so that... Isn't that fascinating? N'est-ce pas fascinant? So astrology decides now is the time to bring down the Iron Curtain. Alors maintenant, c'est l'astrologie qui décide que c'est maintenant le temps d'abattre le rideau de fer. And we can speed towards the New World Order. Et que nous pouvons accélérer vers la nouvelle ordre mondiale. Mary apparently said that Pope John Paul was the pope of her secret. Et Marie apparemment avait dit que le pape Jean Paul était le pape de son secret. And in Keys of This Blood by Malachi Martin. Et dans le livre Les clés de ce sang de Malachi Martin. He strides onto the arena of the millennium endgame. Il dit, il marche, parlant du pape, à grands pas dans l'arène du jeu final du millénium. As the serene and confident servant of the grand design. Comme le serviteur serein et confiant du grand dessein. This is Masonic language. C'est du langage maçonnique. So when you see the kings of the world fraternizing with this power, et alors quand vous voyez les rois du monde qui fraternisent avec ce pouvoir, then you are wondering why this author here says. Alors vous devez vous poser la question de pourquoi cet auteur ici dit that the United States is looking less like a democracy, que les États-Unis se voient de moins en moins comme une démocratie, and more like a highly evolved fascist creature, et de plus en plus comme une créature fasciste hautement évoluée. Are we moving towards this great final government? Est-ce que nous nous dirigeons vers le grand gouvernement final? Is it a Jesuit world-controlled government under Ignatius Loyola founder? C'est un gouvernement mondial contrôlé par les jésuites sous Ignatius Loyola, son fondateur? Is it the kingdom of the Antichrist with the upside-down cross? Est-ce le royaume de l'Antichrist avec la croix renversée retournée? The pictures taken in Jerusalem when the Pope went to visit Jerusalem. Voilà la photo qui a été faite à Jérusalem quand le pape a visité Jérusalem. He claims the cross is upside down because Peter was allegedly crucified upside down. Il affirmait que la croix était renversée car Pierre était supposément crucifié de façon renversée. That's a grand excuse for using the upside down cross. Et c'est une excuse grandiose pour utiliser la croix renversée. And they worshiped the dragon which gave power unto the beast. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. And they worshiped the beast. Ils adorèrent la bête. Saying, who is like unto the beast? En disant, qui est semblable à la bête? Who is able to make war with him? Et qui peut combattre contre elle?
Does this verse make sense? Est-ce que ce verset a de sens maintenant? Do we understand it better? Est-ce que nous le comprenons mieux? Is it really so that we are controlled from behind the scenes? Est-ce vraiment comme ça qu'un pouvoir nous contrôle en coulisses? And herded like sheep to the precipice of the Antichrist, kingdom of Lucifer? Et que nous sommes menés comme des brebis au précipice du royaume de l'Antichrist de Lucifer? The kingdom of God is not of this world. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. And the Lord will come and he will set up his kingdom. Et le Seigneur reviendra et installera son royaume. But first he will give everybody the opportunity to make a choice. Mais avant tout, il va donner à chaque personne l'opportunité de faire son propre choix. May God help us to make the right one. Que Dieu nous aide à décider correctement. Amen. Amen.